Salut les grosses cuisses et bienvenue sur La Tête dans le Guidon, la chaîne qui te parle de cyclisme, de compétition et de performance. Ici on va t'emmener dans nos courses FFC, dans nos entraînements, dans nos aventures pour te montrer comment faire rentrer tout ça dans une vie d'étudiant et dans une vie de cycliste. Alors si tout ça t'intéresse et que t'as envie de progresser à vélo et de kiffer les aventures, suis notre chaîne et viens prendre nos roues. Mais du coup tu fais quoi toi Greg quand tu vas rouler comme ça dans les dombes? Bah pendant les entraînements hivernales, de toute façon l'hiver il faut rouler à basse intensité, il faut faire les bases, faire beaucoup d'endurance. Avec mes camarades de sortie, on a quand même décidé d'inclure un exercice qui nous fait progresser en sprint, mais sans y consacrer un mois de particulier à faire des départs arrêtés. En gros, tu fais les pancartes quoi. Ouais, on fait les pancartes. Mais pourquoi t'étais pas là toi? Tu connais, il faisait froid, j'étais sur le home trainer. Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux que je t'explique ce que c'est les pancartes? Vas-y, explique-moi. Vas-y, je t'emmène dans la vidéo, je vous emmène tous dans la vidéo et on va vous montrer comment on va faire les sorties hivernales, progresser au sprint en faisant de l'endurance. On se retrouve donc dans la Dombe, un lieu très prisé par les cyclistes lyonnais pour y effectuer leurs sorties hivernales. Sorties hivernales durant lesquelles se greffe très bien le principe de donc jouer les pancartes, jouer, faire les sprints aux pancartes, car elles sont à faible intensité et laissent donc de la place pour travailler les intensités maximales. Comme dans tous les sports d'endurance et principalement aussi au vélo, il faut respecter un principe de progressivité. Si tu commences à faire 12 sprints dans chacune de tes sorties de 1 heure, tu vas pas pouvoir progresser correctement, tu vas donc te cramer. Les avantages de cet exercice sont qu'il va être moins fatigant autant physiquement que mentalement, ça nous évite de faire des séries de sprints où on répète des départs arrêtés ou des sprints à ultra vélocité, mais ça va aussi faire progresser et surtout j'ai envie de dire d'un point de vue stratégique dans l'appréhension des sprints. Bon, place à la pratique maintenant, on part directement au premier sprint, donc ça va être un sprint qui va se situer sur un faux plat de 3-4% sur lequel j'ai décidé donc d'emmener le sprint. Et là on va voir tout de suite Loridiano débouler de la droite à toute allure, regardez, il va mettre vraiment beaucoup de puissance, il va essayer de faire le trou directement sur ses pentes et une fois que hop, là je suis sorti de sa roue, j'ai plus l'effet d'aspiration et donc je suis obligé de produire le même effort que lui pour aller à la même vitesse. On voit qu'il se rassoit, j'arrive à revenir dans sa roue et au moment où j'arrive dans sa roue et que je veux le déborder, il se relève, il remet le plein de puissance et il arrive à passer ce sprint en tête. Je passe en deuxième position et il marque le premier point. Bon, l'erreur stratégique que j'ai fait à ce premier sprint, c'est clairement d'avoir voulu l'emmener, d'avoir voulu être devant à tout prix. Je me suis dit en effet qu'on allait avoir moins de vitesse vu que ça allait être un sprint avec un léger faux plat montant, qu'on allait prendre moins de vitesse et du coup que Loridiano, pour me déborder, il allait avoir besoin de mettre beaucoup plus de puissance. Du coup, bêtement, je me suis mis devant et ça a été l'effet contraire. Il a profité de l'effet d'aspiration que je lui ai offert, de l'abri de ma roue. Et donc, il a pu me déborder en survitesse, faire le trou directement. J'ai pas pu récupérer sa roue et au moment où j'ai réussi à faire l'effort pour revenir dans sa roue, j'avais terminé mon effort et lui il pouvait encore en remettre une couche et m'enfoncer 6 pieds sous terre si j'ai envie de dire et donc gagner ce sprint. Vous voyez que c'est vraiment l'un des gros avantages de faire les pancartes, c'est vraiment de se rendre compte des erreurs stratégiques que l'on peut commettre durant ces sprints et ces pancartes. Quand je parle du vélo, j'aime bien comparer ça à la boxe, tout simplement parce que c'est deux sports de combat, deux sports mentaux où il faut savoir encaisser pour pouvoir mieux réagir. Comme sur le ring, là, Loridiano il a attaqué en premier, il a mis le premier coup, donc je me suis retrouvé un peu dans l'obligation d'encaisser puis de réagir. Il m'a fait très mal, j'étais à bloc tout simplement, mais lui aussi était à bloc. Donc le fait que je puisse revenir dans sa roue, je reviens un peu au corps à corps avec lui et je vais essayer maintenant de le frapper à mon tour. Et c'est là qu'il m'a remis un coup derrière et je n'avais plus de force mentalement et physiquement pour le doubler. C'est super important de bien récupérer correctement entre les sprints. On n'a pas l'impression, mais c'est des efforts hyper violents pour l'organisme. Allez, on va aller directement vers la prochaine pancarte où regardez, je fais encore la même erreur stratégique. Je suis encore en train d'emmener le sprint, c'est n'importe quoi. Et là du coup, Loridiano il va encore me dépasser en survitesse, faire un trou, regardez, il me sort encore de sa roue. Et j'essaie de faire l'effort pour pouvoir revenir, j'arrive à remonter au niveau de sa roue arrière, je finis mieux que lui d'ailleurs sur ce sprint là, il est peut-être parti d'un petit peu loin, mais j'arrive pas à le remonter à peine plus que la roue arrière, et je suis un peu dégoûté parce que je fais encore la même erreur que tout à l'heure. Bien sûr, pendant ces sorties, pendant cet entraînement, pendant ces jeux, il y a toute une liste de règles à mettre en place pour ne pas se mettre en danger soi-même, pour ne pas mettre en danger les autres, et pour respecter une égalité, une certaine équité dans les sprints. Premièrement, règle de sécurité, il faut à tout prix respecter le code de la route. Il ne faut pas lancer une pancarte s'il y a un rond-point avant, s'il y a un cédé de passage, un stop ou un feu. Ça paraît évident, mais beaucoup se mettent en danger. Nous ne sommes pas au championnat du monde, le but est de progresser, de s'amuser. Il ne faut pas mettre sa vie en danger en lançant un sprint en descente avec un stop derrière ou quelque chose du genre.
Deuxièmement, définissez des règles, définissez un parcours. Par exemple, là, Philippe, nous ne l'avons pas encore vu sprinter parce qu'il est nouveau dans la région, il ne connaît pas les pancartes. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas toujours prévenu de la pancarte, c'est pour ça qu'il n'a pas pu participer au jeu. Et c'est quand même dommage, c'est beaucoup mieux même pour progresser d'un point de vue tactique d'être à 3 dans un sprint qu'à 2. Bien sûr, si vous n'avez pas le temps de préparer vos sorties à l'avance et de définir quelle pancarte vous allez jouer, il est important de prévenir ses camarades. Vous allez le voir au prochain sprint, je préviens Philippe et Loridiano, j'ai vu une pancarte, nous ne connaissons pas cette route, j'ai vu la pancarte, je les aurais prévenu pancarte et j'ai lancé mon sprint. Pancarte les mecs hein. Donc là, on voit bien, vous avez entendu, je lance le sprint juste derrière. On peut voir que c'est pas un sprint où les boîtes montent très haut parce que nous n'étions pas forcément préparés. On était en train de discuter, on profitait des paysages. Je monte à peine à 800 watts. Je prends la pancarte parce qu'il y a aussi un effet de surprise. En fait, certaines pancartes vous forceront à être un peu plus vigilant. Ça va vous entraîner à garder votre concentration en course, à être plus réactif. Vous avez bien compris, il y aura donc des variations entre certains sprints. Des sprints seront lancés plus tard et donc plus explosifs, et d'autres lancés de plus loin et donc des efforts beaucoup plus violents. Et donc en plus de vous faire progresser sur plusieurs types de sprints, ça va être beaucoup plus sympa comme sortie, ça va éviter de faire des longues sorties à faible intensité où il se passe jamais rien, vous n'allez pas rouler forcément que lentement. Ça va permettre, même si vous n'anticipez pas super bien les pancartes, de quand même faire des pancartes, faire des rides, solliciter vos fibres musculaires, vos fibres rapides, c'est vraiment super intéressant. Là vous pouvez voir qu'on est sur une grande route, on est sur une nationale, du coup il va y avoir un autre point stratégique qui va se mettre en place, c'est que c'est une grande ligne droite assez longue de 2 ou 3 km jusqu'à la prochaine pancarte. Donc il va y avoir un aspect de la stratégie qu'il faut prendre en compte en sprint si vous êtes en échappée par exemple, c'est qu'il faut prendre ses relais au bon moment pour pas arriver devant à l'approche du sprint. L'autre aspect intéressant, c'est aussi le sens du vent. Là, sur cette partie, le vent il nous venait de 3 quarts gauche. Ça veut dire que les relais étaient beaucoup appuyés, on était obligé de mettre des watts. Je vais vous faire écouter le vent juste là tout de suite pour que vous vous rendiez compte comment ça soufflait, à quel point c'était vraiment violent. Vous voyez que c'est assez violent, c'est pour ça que je reste dans la roue de Loridiano, je profite de l'abri qu'il me fait face au vent, donc lui me protège du vent, et en plus je peux bénéficier de l'effet d'aspiration, donc rouler à la même vitesse que lui, sauf qu'il va mettre beaucoup plus de puissance que moi, je vais m'économiser alors que lui va plus s'épuiser que moi. L'autre aspect stratégique de cette pancarte est qu'il y avait beaucoup de circulation, donc il fallait faire attention à qu'il n'y ait pas une voiture qui nous double par la gauche au moment où on lance le sprint, et c'est un peu pareil quand on est en échappée ou en compétition, il faut faire attention d'où viennent les coureurs pour pas provoquer un accident. Là vous pouvez voir que ça commence un peu à s'emballer, vous regardez le cœur, vous regardez les watts, et Philippe lance sur la gauche très fort et s'est mis bien à gauche de la route pour que personne se mette dans la roue et profite de l'aspiration. Je décide de laisser faire Loridiano. Loridiano il va reboucher le trou hyper facilement alors que Philippe avait été très fort sur son attaque. Et moi je suis directement décroché de la roue mais je fais un sprint plutôt lissé l'effort. Philippe va s'écraser juste avant la pancarte et j'arrive à passer deuxième. Honnêtement, ils étaient vraiment plus forts que moi là ici et j'ai eu de la chance de passer deuxième. Je sais pas si Philippe s'est écrasé par manque de puissance ou parce qu'il s'en fichait de jouer une deuxième place quand il a vu Loridiano le doubler. Mais honnêtement, j'étais vraiment moins fort qu'eux. Là, sur cette pancarte, avec l'attaque de Philippe de loin, on s'est vraiment fait péter le caisson. Hein, comme on dit, regardez mon cœur, il est encore à 180 BPM alors qu'on a arrêté le sprint, je suis à 80 watts. Là, on est tous en train de récupérer. C'est fou parce que là, vous avez eu l'exemple à l'affilée de deux pancartes. L'une hyper explosive où on a fait un sprint de 50 mètres au dernier moment sans avoir vraiment prévu. Et celle-ci où on a fait un sprint de presque 300 mètres à bloc. C'était épuisant. Ah ouais ? On se retrouve plus loin dans la sortie. Sur cette magnifique route avec des couleurs orangées, automnales, une super luminosité, c'est ça qui est vraiment sympa pendant les sorties en hiver, surtout quand on le fait avec les copains, c'est vraiment l'occasion de profiter de beaux paysages, là il faisait vraiment bon, donc on en a vraiment profité, c'était vraiment super cool comme sortie aujourd'hui. On en a profité là après le sprint pour récupérer un petit peu, on s'est tous attendus, on a papoté un peu histoire de pouvoir récupérer notre souffle. Regardez, je suis pas vraiment encore redescendu, je suis encore à 173 au cœur, tout simplement parce qu'avec Loridiano on était un peu pressé de rentrer et on a commencé à prendre des relais un peu appuyés. Vous le savez pas là à ce moment là mais le Loridiano il a crevé 3 fois pendant la sortie, du coup ça commence à faire un peu long. Mais bon, si vous voulez, on vous fera une vidéo explicative avec mon frère comment prendre de beaux relais. Dites-nous en commentaire si ça peut vous intéresser.
En attendant, je vais vous faire une petite description de ce qui se passe à ce moment-là. Regardez, je suis entre 250 et 300 watts. Bon là, ça redescend, donc ça redescend un petit peu, mais je suis presque à 180 battements. Et le but, c'est de faire garder la vitesse au groupe. Sur la gauche, Loridiano, il va accélérer tranquillement. Il va pas mettre de gros à-coups et il va me passer devant. Je vais pouvoir me poser dans sa roue et regarder mes watts qui vont descendre d'un coup. Mais ma vitesse qui va rester la même, qui va même augmenter parce que Loridiano appuie encore plus que moi. Donc ce qui est sympa avec la prise de relais, c'est vraiment de pouvoir faire garder une vitesse constante au groupe sans vraiment s'épuiser, en partageant le travail en effet. Bon, à ce moment-là, j'arrête de lui prendre des relais. Vous allez le voir, il va rester devant, vous allez voir ses mollets pendant encore quelques kilomètres, tout simplement parce qu'il y a la dernière pancarte qui arrive. La dernière pancarte, ça va être une pente de 300 mètres, à peu près 3-4% de moyenne, mais avec des passages à 8%. Comme tout le monde connaissait cette pancarte, Philippe, Loridiano et moi-même, on savait que à tout moment, ça pouvait attaquer. C'est ça qui est bien avec la pancarte. Peut-être que ça allait partir un kilomètre avant à bloc, peut-être que ça allait partir au dernier moment. On savait pas vraiment comment ça allait se passer, donc j'ai décidé de rester dans la roue de Loridiano, de le laisser faire les efforts. Il a été vraiment plus fort que moi aujourd'hui, il a pris toutes les pancartes tout simplement. Donc on allait avoir chacun notre stratégie à mettre en place. C'est le moment, avant une pancarte comme ça, donc c'est comme avant l'arrivée d'un sprint final, il faut réfléchir à comment vous voulez le gérer. Clairement, je m'étais dit que j'allais rester dans la roue de Loridiano aujourd'hui, donc je me dis, je lâche pas sa roue. Je reste dans sa roue et s'il part et lance de loin, moi je vais essayer de lisser mon effort, c'est-à-dire de répartir mon effort sur la durée de toute la montée. Je m'étais dit que Loridiano allait plutôt essayer de suivre et de déborder tout le monde au dernier moment. Mais je pensais aussi bien que Philippe allait essayer de faire comme au coup d'avant, c'est-à-dire lancer de très très loin. Donc je m'attendais à un effort assez puissant. Pancarte en haut. Donc vous avez pu vous rendre compte que tout le monde était préparé à l'arrivée de cette pancarte. Tout le monde allait donner le maximum pour essayer de prendre cette pancarte qui allait vraiment finalement définir qui était le meilleur aujourd'hui. C'est la plus compliquée, c'est la plus longue. Je vais donc vous laisser sans commentaire pour vous laisser en totale immersion avec cette pancarte. Maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Regardez, on voit Loridiano qui donne un coup d'œil à gauche et qui lance, regardez, il lance vraiment avec beaucoup de puissance, très explosif, tout simplement parce qu'il a vu Philippe sur la gauche lancer le sprint. Philippe il va très fort là, vraiment il a été très explosif, il a fait le trou directement. Loridiano arrive quand même à prendre sa roue. Moi comme je vous ai dit avant, j'ai fait le choix de lisser mon effort, j'ai tout misé pour que ça s'écrase. Là dans les gros pourcentages, j'ai décidé de mettre vraiment toute la puissance, l'accélération. Loridiano aussi il va déborder, il va déposer tout le monde, regardez, sur la gauche tranquillement, il remonte, il était vraiment très fort. Et là Philippe s'arrête quand il voit passer Loridiano, il s'écrase ou il s'arrête, je sais pas. Et moi je continue mon effort, toujours entre 500 et 600 watts, on peut le voir. Loridiano s'assoit tout simplement parce qu'il peut plus se lever. Je me rassois aussi, on est tous morts, c'était vraiment un effort très très violent. J'arrive au niveau de Loridiano et vous avez pu l'entendre dans la vidéo, je lui dis j'ai même pas essayé de suivre tout simplement parce que j'avais tout misé sur le fait que ça allait s'écraser. J'ai eu raison ou pas, j'ai été deuxième, moi c'est ma place. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous auriez appris quelque chose quand même. Toi Antoine, t'as appris quelque chose en tout cas? Bah moi j'ai grave kiffé ta vidéo, ça m'a donné envie d'aller sortir sur la route, je vais mettre mon cuissard, je vais me taper des pancartes avec les potes. Ouais, moi je pense que t'as surtout appris que t'étais pas assez entraîné et que cet après-midi tu vas avoir mes fesses toute la sortie. Bon, en tout cas les mecs, si vous avez kiffé, lâchez un j'aime, lâchez un commentaire en nous disant ce qu'on peut améliorer. Et puis à bientôt sur la route hein. Allez, abonnez-vous.